Welcome les copains, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve dans un nouveau weekly vlog. Cette semaine, je suis en vacances et donc je vais vous emmener de lundi à dimanche. Et aujourd'hui, je vais voir Marianne, donc mes deux potes des scouts. Ça va être trop cool, ce soir je vois Noémie. Et mercredi, je pars à Paris, donc j'ai trop hâte, ça va être trop bien. Donc j'ai vraiment trop hâte de vous emmener dans ce vlog et let's go. Bon, aujourd'hui, je suis habillée comme ça, donc j'ai pas encore mon manteau, j'ai mes petits talons que j'aime trop. Tommy Hilfiger qui sont un peu spéciaux, mais voilà. Et un petit jean. Très très large, j'aime beaucoup les jeans comme ça en ce moment, et puis un petit haut. Coucou les gars, je vous retrouve, on est mardi, aujourd'hui je suis encore à Rouen. Hier j'ai fait une petite soirée avec Noémie, c'était trop bien, je suis trop contente. Donc sinon aujourd'hui j'ai été invitée en fait pour faire une OP, genre je suis trop contente dans une sorte de musée, enfin bref avec un escape game et tout, à Rouen, et je suis grave contente parce que bah... Je sais pas, c'est valorisant et surtout c'est cool de faire la promotion de trucs pour la culture et tout parce que ça rentre je pense bien dans ma ligne éditoriale par rapport à ma chaîne. Donc bref, je suis grave contente, enfin je suis pas du tout en parler sur YouTube, mais bon comme j'y vais, je vous raconte. J'y vais avec Rose Mita et puis ce soir on a une petite soirée, demain matin je pars à Paris et je suis trop contente, voilà. Je me suis vraiment habillée très simple, genre j'ai le même jean qu'hier, mais je pense que je vais mettre mes baskets et j'ai mon petit pull qui vient de Free que j'avais acheté il y a un an. Et qui est tellement rentable, genre il est trop cool. Sinon, fun fact, hier avec Mimi, on a fait des lasagnes avec des restes et c'était trop bon. Donc je pense que je vous publierai, enfin, faudrait que je vous fasse d'autres recettes étudiantes prochainement. Pas toute seule parce que bon, vous me connaissez, genre je suis pas une très grande cuisinière, mais je trouve ça pourrait être cool. Donc dites-moi si ça vous intéresse. Voilà. Voilà. Donc là, Noémie a acheté une tarte aux fraises pour moi. Ouais. Ça fait très longtemps qu'on s'est pas vu, une semaine. Ouais, une petite semaine, toute petite, on s'est vu hier soir. Oui, mais on se voit pas pendant beaucoup de semaines. Donc... Oui, c'est vrai, du coup, ça rattrape. Il fallait retrouver à partir de vendredi le confinement qui a stoppé le virus. Tout le territoire national est concerné. Mais parce que nous avons appris des événements du printemps, ce confinement sera adapté sur trois points principaux de presse. Il y a d'abord ce qui ne change pas. Si seulement elle savait comment tu la regardais, elle serait effrayée. Donc vert comme la nature en fait. Ah, le retour de Marie. C'est une fille qui respecte la nature en fait. Attends, j'ai réfléchi. Non, je crois. Ouais, vraiment. Ah merde. Pauline, ça te dérange si je t'écoute pas tes pattes? Bah oui, un peu. Ni au McDonald's. Si c'est eux qui ont raison, je ne suis pas raisonnable. La rafale dans ton salon sera sûrement désagréable. Les vainqueurs l'écrivent, les vaincus racontent l'histoire. Pauline, aka la Dame Blanche. C'était pas vrai, regardez. Je suis horrible. C'est vrai que tu ressors. En vrai, elle est hyper bronzée, hein. Je vous jure. C'est juste parce que... Elle a décidé aujourd'hui. Alors, pour vous faire un petit update, parce que je ne vous ai pas pris en caméra depuis un moment, en même temps, je vais me préparer un sandwich au thon. Donc voilà. Je suis rentrée de Paris, donc qu'est-ce qu'on a fait à Paris? En gros, on était chez mon ami Rémi, et c'était trop bien. Donc on est resté genre 3-4 jours, et là on est samedi, et je suis rentrée à Lille. Je pense que vous êtes au courant, nous sommes reconfinés, donc on a pris ça à Paris. Après c'est vrai que vu qu'on avait jusqu'à dimanche pour rentrer, bah enfin bon, on a gardé notre train quoi. Donc moi je reste à Lille, je vais pas me confiner toute seule, je vais aller chez Julie et Célette parce que bah, tout simplement me confiner toute seule ce serait pas hyper pratique. Et en vrai ça m'affecte pas énormément, enfin dans le sens où revoir ma famille, enfin c'est surtout en fait la différence avec le premier confinement, c'est que le premier confinement j'étais tout, enfin chez moi à Rouen, j'étais revenue chez moi et là je serai pas chez moi
et je pourrais pas y aller genre pour les week-ends et tout. Mais il faut savoir que je suis rentrée une seule fois depuis le début de l'année et j'ai vu mes parents une journée et j'ai porté mon masque tout le temps parce que bah, vu qu'à Lille on a beaucoup de cas, vu que malgré tout je vois quand même des gens, bah je voulais pas du tout être contaminée, donc ça veut dire que pour moi ça va rien changer clairement par rapport à d'habitude. Avant oui j'avais cours une semaine sur deux, mais là j'ai mes cours en Zoom, mais j'avais déjà pas mal de cours en Zoom donc ça me change pas énormément. Donc voilà, déjà je vous souhaite beaucoup de courage si vous pouvez pas voir vos proches, si vous êtes confinés, je sais pas, sans votre mec, sans vos potes, genre bonne chance, en vrai on va survivre tous ensemble, mais c'est juste que voilà, c'est compliqué. Bref, donc je suis repassée à mon appart quand même, je vais manger, je vais vous montrer, j'ai rangé tout avant de partir l'autre jour, donc je suis trop contente. Je vais ranger, je vais faire du montage et après bah, je vais aller décale. Voilà, je sais pas quoi dire de plus, Paris c'était vraiment trop cool, j'ai pas trop filmé, putain en fait faut que je fasse mon ton. J'ai pas trop filmé parce que tout simplement bah déjà on a filmé une vidéo qui était un Dr Love, je suis trop contente, j'espère qu'il vous aura plu. Et même genre j'ai pas, enfin bon je suis avec mes potes, j'ose pas trop sortir ma caméra et tout pour parler, même si c'est des gens avec qui je suis hyper proche. Et voilà. En tout cas pour le confinement ça m'intéresse de savoir ce que vous attendez de moi, parce que c'est vrai que le premier confinement j'avais fait beaucoup de vidéos et c'était trop cool, mais c'était pas du tout le même contexte, j'étais chez mes parents. Voilà, et donc là ce sera forcément pas le même type de vidéo, donc je me dis est-ce que ça vous intéresse, genre que je fasse quand même des vidéos, enfin bien sûr je pense, mais voilà j'ai grave hâte de tourner cette future page, enfin ce chapitre. Enfin encore une fois c'est pas un truc qui m'affecte beaucoup, moi je pense surtout au commerce, aux gens voilà, qui ont des restos, des trucs comme ça. Bonne chance à vous parce que franchement c'est compliqué et je suis clairement pas à plaindre, enfin je pense que je fais pas partie de la majorité des gens en France qui peuvent se plaindre. Donc voilà, je ne sais pas quoi dire de plus, je vais aller faire du montage et manger un sandwich au thon mayonnaise parce que j'adore ça. Tu sens bien cette future... Ça respire la bonne humeur. Ça c'est important. Bonjour. Alors aujourd'hui c'est le tout début du confinement et voilà comment on ressemble le frigo. Il y a plus d'alcool que de bouffe par contre. Et ah oui, mais il y a le congèle aussi qui est assez si beau. Et ça aussi, voilà. Hop. Waouh. C'est de la nourriture. Et après il y a aussi des placards. C'est ouais. Quand même. Attends, non, oublie pas le placard à pâtes aussi. Le placard. Waouh. Et le placard à pâtes. Il y a un placard à pâtes depuis quand? Tu sais, après, il y a que deux paquets de pâtes dans ce bagage. Pourquoi tu manges pas? Ouais, grave, c'est Joe. Non, c'est pas grave. Ok les gars, donc j'ai oublié de terminer le vlog, mais j'espère qu'il vous aura plu, j'ai trop hâte de commencer à vous montrer notre confinement. Voilà, ça va être fun, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mon Instagram, ça va être drôle, à me dire si vous avez aimé cette dernière vidéo en non confinement. Et... C'est pas grave, non, c'est pas grave, c'est pas grave.